Madame, monsieur, bonjour. Soyez les bienvenus au dossier de la semaine consacré à la semaine sainte avec l'abbé Innocent Pambé, curé de la paroisse Saint-Mathias de Petit-Vaury sur CN Magnews TV. Pourquoi parle-t-on de la semaine sainte et quand est-ce qu'elle commence? Alors, la semaine sainte commence le dimanche de Rameau, c'est-à-dire la fin de carême et le début de la semaine sainte. Dans la foi catholique, la semaine commence le dimanche, c'est le premier jour de la semaine. Et ça se termine le samedi. Donc, c'est comme ça que faut d'abord comprendre ça, parce que aujourd'hui, quand on dit week-end, fin de semaine, on prend le vendredi, samedi, dimanche. Dans la foi catholique, le dimanche est le premier jour de la semaine. Il faut déjà comprendre ça parce que sinon, on va pas. Ça commence donc le dimanche des Rameaux. C'est simple parce que c'est dédié totalement à Jésus-Christ. Et Jésus-Christ est vrai Dieu et vrai homme et il est saint. C'est lui qui sanctifie. Voilà, chaque jour lui est dédié, voilà pourquoi c'est la semaine sainte. Et c'est dans ces jours qu'on commence maintenant la grande porte ouverte à ce que nous appelons en termes théologiques la rédemption, c'est-à-dire comment le Seigneur a fait pour nous racheter et pour nous sauver. Racheter du péché et de la mort, c'est-à-dire on était achetés et il nous rachète. C'est comme ça que ça se faisait dans l'Ancien Testament, c'est-à-dire lorsqu'un esclave était acheté, pour le rendre libre, il fallait payer le même prix. Et il était racheté. Donc, c'est ça le terme, que c'est de là que vient ce terme, pour que nous puissions dire le rachat. Mais bon, on n'utilise pas beaucoup le rachat, mais parce que le livre de l'Apocalypse utilise beaucoup le rachat, et ceci, donc nous, on l'utilise. Mais on parle de rédemption, comme il nous a sauvés par sa souffrance, sa mort et sa résurrection. Quels sont les exercices spirituels qui meuble la semaine sainte? La semaine sainte, il y a donc le premier point d'arrêt, c'est le jeudi saint. Le jeudi saint, maintenant, on commence par la messe chrismale. La messe chrismale, c'est là où on bénit de l'huile. L'huile, le chrisme, l'huile permet aujourd'hui à se configurer à Jésus-Christ qui est oint, il est né oint. Et là, maintenant, pour exercer les sacrements d'église, parce que les sacrements de l'église sont les sacrements de Jésus-Christ, il faut les utiliser avec Jésus-Christ, c'est-à-dire qu'est le signe, symbole, l'huile dont on consacre les huiles, l'huile pour les catéchumènes, c'est-à-dire qu'ils se préparent au baptême, l'huile pour les malades et le Saint-Crème qui consacre les églises, les prêtres, les évêques et beaucoup d'autres choses, ce qu'on appelle le Saint-Crème, donc on le compte. Tous les prêtres qui sont là, l'évêque consacre cela. Les autres, c'est l'évêque seul qui est béni. Et le soir, donc, commence, donc, ce qu'on appelle le Triduum. Triduum Pascal, c'est 3 jours où le Christ nous est réellement, il a souffert, il a institué d'abord le Jeudi Saint, qui est très important. Il a institué l'Eucharistie et le sacrement de l'ordre. Parce que ça va ensemble. Et pendant qu'il institue ça, il enveloppe ça de ce qu'on appelle le service, le lavement des pieds, qu'il lave, c'est-à-dire que il les envoie pour servir, c'est-à-dire avoir l'esprit du service, c'est ce qu'il dit à ses apôtres. Ensuite, maintenant, l'amour, qui doit couronner tout le ministère pastoral et apostolique. Donc, je reprends, il institue donc le sacrement de l'Eucharistie, et l'ordre dans ce sacrement, donc, il enveloppe, donc, l'esprit du service et de son amour de nous aimer les uns les autres comme il nous a aimés. Donc, voilà, c'est tellement beau et c'est tellement grand. Voilà pourquoi ce jour-là, c'est la fête par excellence des prêtres. Mais après la messe du soir, il y a donc cet aspect que parfois nous oublions. On veille avec le Christ parce que après avoir institué ça, il est parti à Gethsémani, où ça qu'on est au jardin des Oliviers, où il commence son agonie au vu des péchés et la méchanceté des hommes. Donc, il y a donc cela qui est symbolisé dans l'Église par l'adoration qu'on fait
après la messe. Les groupes se relaient pour veiller et prier avec Jésus-Christ. Il dit veiller et prier avec moi pour ne pas entrer dans la tentation. Jeudi, et à partir de minuit, on est déjà vendredi saint, il est arrêté et les procès commencent qui ne terminent pas jusqu'à son crucifixion à 15h. Donc il a été crucifié à 9h et il est resté suspendu jusqu'à 15h où il en est mort. Donc on parle de 6e heure et de la 9e heure. Donc ça correspond à 9h et 15h de notre heure normale. Donc ce jour-là, c'est un jour de pénitence par excellence. Tous les chrétiens doivent faire pénitence, comme j'ai expliqué au début, c'est-à-dire reconnaître son péché, reconnaître la grande miséricorde de Dieu, c'est-à-dire avoir conscience du mal qu'on fait et les conséquences du mal dans le monde, mais qui sont causées par l'homme. Ce n'est pas venu seul. C'est causé par l'homme et ensuite, maintenant, il faut voir dans tout ça la grande miséricorde de Dieu, Jésus-Christ qui a vaincu tout cela et qui a accepté mourir pour ça. Il a arrêté l'humiliation extrême où il est crucifié à moitié nu, exposé au vieux sur le monde pendant 6 heures de temps. Donc, il faut déjà comprendre ça, que c'est énorme. Et le samedi saint donc, c'est la grande veillée où on attend la résurrection. Il y a d'abord la fête de la lumière parce que le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu cette grande lumière et c'est la lumière du Christ. C'est lui qui vient dans nos ténèbres du péché pour nous éclairer la route, lumière sur la route, notre route dans ce monde où on va au travail, on va ceci. C'est lui qui doit nous éclairer. Voilà ce que signifie le serment lumière et c'est, on dit toujours lumière du Christ. On dit nous rendons grâce à Dieu parce que on ne s'y attendait pas, mais Dieu l'a envoyé pour nous, parce que Saint Jean de Dieu appelle cette vie de péché comme une nuit noire. Et dans cette nuit noire surgit donc cette lumière, voilà pourquoi chacun doit avoir la lumière qu'on lui a donnée le jour de son baptême, pour continuer à éclairer, parce que c'est la nuit du baptême par excellence. Ensuite, maintenant, il y a la résurrection, le chant de l'hymne de la résurrection, qui est le chant que les anges ont entonné le jour de Noël. Gloire à Dieu, plus de Dieu, au Père, voilà. On annonce donc qu'il est vivant, il est ressuscité. Nous fêtons donc la victoire. Non, le samedi déjà, et qui continue le dimanche de la résurrection, qui est le premier jour de la semaine, où l'homme découvre que, voilà, le troisième jour, il est ressuscité comme il l'avait promis. Il découvre donc qu'il est vraiment, il est vivant, il a apparu à l'autre, va leur dire que je suis vivant, qu'on se rencontre en Galilée. C'était le dossier de la semaine, édition spéciale autour de la semaine sainte, avec l'explication de l'abbé Innocent Pambé, curé de la paroisse Saint-Mathias de Petit-Vaury. Restez des notes sur CNMag News TV à l'adresse qui s'affiche tout de suite.